S'ils n'étaient nombreux sur la ligne de départ, chez les cadets comme chez les juniors ou seniors, les participants à ce 13e cyclocross de Taupon ont offert de belles bagarres. Chez les plus jeunes, la présence du récent champion de France en titre, Nicolas Guillemin, laissait présager du final. Pour le spectacle et le suspense, Pierrick Sivignon s'est accroché, comme la veille à Auray. Le sociétaire de l'UC Quimperloise s'est scotché à la roue du Loudéacien. Mais comme la veille, c'est le champion tricolore qui franchit la ligne en tête au prix d'une dernière accélération. J'ai mis une grosse attaque dans une côte d'en bas jusqu'en haut et il a pas pu réussir. Et du coup après j'ai été à bloc jusque l'arrivée. Puis ça s'est joué au sprint hier, donc aujourd'hui j'ai réussi à l'attaquer avant, donc c'est bien. En l'absence d'Emeline Gauthier, Nolwenn Hélin de l'ECK20 en tête du challenge départemental pouvait légitimement envisager la victoire à Taupon. C'était sans compter sur les jambes de sa partenaire de club, Tiphaine Laurence. Les deux filles se sont disputées la victoire jusqu'au bas de la dernière côte. Là, au prix d'un dernier effort, Tiphaine Laurence a décroché sa poursuivante pour s'imposer à l'énergie. J'ai fait le trou tout de suite dès le départ et j'ai eu un moment de faiblesse. J'ai coincé un peu et du coup, Nolwenn Hélin m'a repris. Et il restait deux tours. Et là, je me suis dit que dans le dernier tour, il y avait une petite bosse. Je me suis dit que c'est là qu'il fallait faire le forcing, quoi, si je voulais gagner. Et c'est là que je l'ai attaqué et j'ai fait le trou jusqu'à l'arrivée, quoi. Chez les juniors, c'est une belle performance que celle réalisée par Ronan Lejossec, le vététiste. Ils étaient peu nombreux à parier sur ce guidon plat au départ. Le Ruffiacois s'est pourtant mêlé d'entrée à la lutte dans ce petit groupe de trois, où Julien Leclerc et Morgan Le Champion, trop occupés à se neutraliser, ont fait le jeu d'outsider. Un vététiste qui devance deux cyclocross, qui l'eût cru. C'est ma première course de la saison, parce que je fais la saison de CVTT. Et... c'est pour voir où j'en étais au niveau des entraînements. Et vraiment, je suis bien, j'ai réussi à les tenir. Au sprint, je suis parti dès le début. Il fallait tenter le tout pour le tout. Ouais, parce que ça a été une course tactique. Hein. Ouais, très. Et puis, avec mon VTT, j'avais pas vraiment les pneus pour. Avec la boue, ça collait, ça glissait vachement à des endroits. Et au niveau des portages, j'étais à la ramasse parce que j'ai pas l'habitude de descendre des vélos, quoi. Chez les seniors, un homme était attendu, Christophe Laborie, le pro de Bretagne Séchée, déjà vainqueur, ici et licencié à Taupon, courait à la maison. Parti vite devant, seul Adrien Duo de l'UCK Van l'a accompagné sur une petite heure de course sans grand suspense et ponctué d'un dernier coup de rein gagnant sur le bitume. Sur un terrain comme aujourd'hui qui n'était pas trop gras, il fallait rester vigilant, surtout dans les racines, dans les descentes qui sont assez dangereuses. Et puis... je savais qu'à tout moment je pouvais accélérer, donc je me suis jamais trop affolé. Il fallait assez gérer, mais bon, on s'est bien battu dans le dernier tour, quoi. Ce 13e cyclocross de Taupon était la dernière manche de la Coupe du Conseil Général après Lignoles, Beau, Plouet et Plumelec. Yoann Glon, Nolwenn Hélin, Laurane Pascot, Julien Leclerc et Antoine Jean s'imposent au final dans leurs catégories respectives. S'il vous plaît, bravo, bienvenue, merci d'être resté avec nous.